Hello, hello! On va se mettre devant la fenêtre parce que la lumière, c'est pas terrible. Il est 11h27. Je viens de rentrer de chez le coiffeur. Oh, ça fait un bien fou, fou, fou. Par contre, ça me gratouille de partout. Bien, bien, bien. Je lui ai dit de faire assez court ici sur les côtés et l'arrière et le dessus, de me laisser de la longueur. Impeccable. Impeccable. Donc là, il est jeudi, il est déjà 11h30. Vous savez ce que j'ai fait hier soir? Et c'est un peu ce matin. J'ai commencé le projet dont je vous ai parlé hier, là, sur Harry Potter. Voilà, je l'ai commencé. Donc, je pense que je poursuivrai un petit peu cet après-midi. Petite demi-heure par petite demi-heure, j'ai commencé. Voilà. Voilà, je suis incorrigible. Hein. Incorrigible. Et le petit aimant, c'était Chalimaud, je crois. Voilà. Donc, j'ai voulu mettre les bleus de mon mari à laver avant de partir. Et je rentre. Je vois que la machine, elle est en sécurité. Un problème de vidange comme la dernière fois. Donc du coup, je ne peux pas sortir le linge de la machine. Je l'ai débranché, rebranché, ça fait rien. J'espère qu'il va pas falloir qu'on redémonte tout comme la dernière fois. Parce que... Voilà. Donc je vais voir quand mon mari va rentrer si on peut le faire par le devant. La vider par le devant pour au moins pouvoir ouvrir la machine. Zut, hein. Zut, zut, zut. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui? Oui. Je pense que je vais faire la semaine prochaine, je vais les préparer. Je vais me faire une petite pause parce que là, je les ai recoupés les miens un peu, j'en avais marre. Je vais me faire une petite pause de ces petits ongles que j'ai pris sur Temu. D'ailleurs, j'ai reçu ma grosse commande de chez Temu, je vous ferai ça dans, je pense, dans la semaine. Je vais me faire une pause de ceux-là, donc je les ai choisis, j'ai pris les tailles, ça c'est bon. Et je vais les préparer, je vais les limer à l'intérieur. Et j'ai reçu un petit appareil pour pouvoir faire la pose un peu plus aisément que de me tordre dans tous les sens pour fixer les capsules avec la façon pose américaine. C'est au rez-de-chaussée, je vais vous le faire voir, que j'ai commandé sur AliExpress et j'ai reçu d'autres petites choses. Donc je vais vous les montrer, c'est au rez-de-chaussée. Et j'ai d'autres petites choses. Alors, je suis vraiment dégoûtée parce que je voulais rattraper mes lessives aujourd'hui. Et ben, c'est mort. Les lessives, c'est mort. Le téléphone, il est là. Et je voulais vous dire aussi, si vous faites le bingo d'automne de Lutine et je ne sais plus le nom sur Facebook, eh bien, la case, une autre case a été tirée. Et il y a également, donc ça c'est un bingo d'automne qui est gratuit sur Facebook, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Et il y a la deuxième partie du genre de petit salle Mary Poppins dit Natal de Crochette à Gogo qui est sortie, la deuxième partie. Donc avec le haut de Mary Poppins et puis le texte ici. Donc c'est pareil, c'est gratuit. Je vous mettrai ça en barre d'informations. J'ai imprimé toutes mes factures d'hier. Comme ça, je vais pouvoir ranger tout dans mon classeur. J'ai pas encore fait mon lit parce que ce matin, comme je vous l'ai dit, ça va un peu mieux. J'ai un peu mieux dormi, même si j'ai eu encore pas mal de sueurs nocturnes. Je pense que ça doit être la ménopause. J'en avais pas jusque-là, mais là maintenant, ça fait une petite semaine que waouh, je déguste. Donc du coup, j'ai un peu mieux dormi. Donc ça, c'est pas plus mal. Et mais ce matin, j'ai fait du montage vidéo. J'ai fait monter la vidéo pour lundi. J'ai fait des miniatures. J'ai fait tout ça. J'ai brodé un petit peu. Et puis après, j'avais rendez-vous chez le coiffeur. Donc là, je pense que je vais broder un petit peu. Il est 11h30. Je vais broder jusqu'à midi. Et après, je vous retrouve donc au rez-de-chaussée pour. Pour comment ça s'appelle? Pour les petites choses que je vous ai dit là pour fixer le. C'était une petite lampe LED pour fixer le gel. Et j'ai commandé aussi des petites choses pour la broderie. Alors c'est pas super qualité, c'est pour ranger les bobines. Je vous ferai voir ça au rez-de-chaussée. Allez, à tout de suite. Bon, je vous reprends. Il est 13h40. Ouais. Je viens de finir de manger. Alors, les deux petites choses que je voulais vous montrer que j'ai commandé sur AliExpress. Alors, c'est cette chose-là. Cette petite boîte. Où à l'intérieur vous avez un socle avec une partie ici où il y a un aimant et sur l'autre vous avez la lampe UV qui se charge par USB, voyez. Et voyez là, hop, et on a le petit UV ici. Vous pouvez mettre 45 secondes ou 60 secondes. Et vous avez à l'intérieur aussi des petits embouts. Alors pour faire du. Comment ça s'appelle? Vous avez des petits embouts en silicone pour faire du stamping qui se mettent là au niveau de la lampe. Voyez, vous pouvez faire du stamping sur les ongles. C'est pas mal, il y en a quatre. Donc, ça, c'est des choses que je pense que je n'utiliserai pas.
Mais voilà, et j'ai pas payé ça très cher, donc je vais la tester et on va voir ce que ça donne. Et quand vous mettez, donc je pense que ça doit se régler. Voilà, c'est ça. Vous pouvez en fait orienter, vous voyez, votre lampe avec les ongles comme ça, comme c'est sur pied. Ben vous pouvez orienter et c'est pas mal. Donc je testerai ça, je pense, en vidéo la semaine prochaine. Et on va tester ça. J'ai payé ça 5 euros et quelques, je crois. Et la dernière petite chose que j'ai reçue, c'est ce petit coffret-là, donc, qui était en kit, hein, qui était à monter. Et en fait, c'est quoi? Eh bien, ce sont des petits lapins où vous entourez le fil ici DMC. Et comme ça, vous avez vos couleurs. Voilà, pour un projet, si vous voulez broder un petit truc. Et ces petits lapins. Voilà, c'est joli. J'ai trouvé cette boîte très jolie. Je vous mets également à l'écran ici, j'ai fait le tirage au sort pour le bonus numéro 1 de ces Vlogtober. Donc normalement je vais envoyer un petit message à la gagnante via le commentaire. Donc n'hésitez pas à regarder vos commentaires si vous avez participé à ce bonus numéro 1. Et oui, je vais faire ça. Et là je vais aller faire le lit de mes Brestois qui arrivent normalement la semaine prochaine. Donc voilà, les billets de train sont pris. Donc je vais aller faire ça et puis je vous retrouve, je pense, peut-être tout à l'heure pour clôturer. Je le pense. Et voilà, le lit est prêt. Donc j'ai remis le linge, comme ça j'ai nettoyé le linge. Je suis dégoûtée pour la machine à laver là. J'espère qu'on va réussir à redémonter comme la dernière fois. Mais ça me saoule, ça me saoule. Et du coup, en lampe de chevet, ben, j'ai mis le petit truc LED là comme ça. Avec les coussins, le plaid. Et j'aimerais bien trouver une housse un petit peu façon gaming. Faut que je regarde sur Shein s'il y a ça. Voilà, voilà. Bon, et ben moi je vais aller... Ah, la tête que ça me faisait la lumière bleue. Je vais aller monter ce vlog. Et puis bah je vous retrouve mardi pour Vlogtober. Et lundi on se retrouve pour le haul action que je vous ai tourné... Je sais plus quand. Hier. Et je voulais faire voir le fond d'écran de ma montre. Je vais vous faire voir, je vous retrouve. Regardez le fond d'écran de ma montre, il est trop kiki. Il est 14h14. Donc je vais aller monter ça, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi pour le haul action et mardi pour un nouveau Vlogtober. On arrive à la moitié quasiment là des Vlogtober. On est à la moitié, on est à la moitié. Allez, je vous fais plein de bisous, bon week-end et à lundi, ciao. Et oui, et dimanche matin, petite vidéo bonus aussi à 10h. Donc soyez au rendez-vous. Ça sera l'ouverture, la découverte des box poussière d'étoiles, la papeterie et la broderie. Donc à dimanche en petite vidéo bonus, lundi et mardi. Ciao !